Salut, c'est Kaliana et on est de retour sur Assassin's Creed Origins. On va finir le DLC avant la sortie de Odyssey. Alors, on en était. Là. Donc, il faut. Swift Time. Ouais. Les sculpteurs de Maat sont ici, dans la nécropole dédiée aux nobles. Je n'ai pas eu l'occasion de toutes les examiner, mais il y a des adorateurs roux, un orbe. Attends, seraient-ils des descendants de Ramsès? Ah, à propos du grand pharaon, j'ai un papyrus fascinant qui... Je pourrais peut-être assister au rite. Sois prudent. Les tombeaux grouillent de sbires d'Atamès. Si tu trouves l'orbe, j'adorerais le voir. Une relique transmise par les dieux. On ne voit ça qu'une fois dans sa vie. Une fois? Ah, si seulement c'était vrai. Puisse ta lame te protéger de tes ennemis, Bayek. Non, je me suis trompée de quête. Alors, examinez la nécropole des nobles. Très vigilant par ici. Ces profanations vont trop loin. Le stratège de Yebou en répondra devant Osiris. Hé ! Hé ! On va faire une ronde. Quelque chose ne va pas. Protège mes arrières ! Ouvre l'œil. Je ne veux pas de surprise. Personne ne nous aura, crois-moi. Je peux le sniper de là. Quoi? Ouais, j'ai foutu le feu. Ah! Il est temps pour toi de ramasser notre nom. Non! On a des ennemis ici! Oh, toi, tu vas souffrir! Tu es d'une lenteur! Te voilà! Alors la lance dans les couloirs, c'est pas le mieux. Descendant dont a parlé Tahemet. Ensuite, quelle
quelqu'un se sert de l'orbe. Un pharaon. Quoi ? Non, y'a personne, y'a personne, y'a personne. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Lui dégage. Qui a envoyé ça ? Montre-toi. Allez. Adelphé ! Laissons lui ici ! Mais qui vont mourir. Hey ! T'aurais pas dû venir ici ! Plus vite ! Plus vite ! Oui, le dernier. Je tape dans la mauvaise paroi. La relique. Des prêtres d'Akhenaton. Non, il manque les rayons. Une femme tient la relique en l'air. L'épouse de Laton. Néfertiti. Recelait-elle un vrai pouvoir ? Ou n'était-ce qu'un symbole ? Ils font venir les descendants de Ramsès. Mais le rite, il n'est pas dédié à la déesse de la vérité, mais à un autre dieu. Les deux plumes d'Amon. Le rite rétablit ma hâte sur tout ce qui se trouve sous le ciel. En l'honneur du seigneur de Thèbes et l'épouse royale à ses côtés. Ce sont les prêtres qui ont la relique. Elle m'a menti depuis le premier jour. Isidora, c'est elle qui a provoqué la malédiction du pharaon. Elle a même essayé de se justifier. La dispute entre Isidora et Tahemet. Ça... Mère serait-elle enterrée ici ? «
Alors... examiner le tombeau de la mère d'Isidora. Bertie a laissé des offrandes pour racheter les méfaits des pilleurs de tombes. Alors, pardonne-moi, Nitotrice. Je laisse cette offrande afin que ton cas cesse de venir me tourmenter. Je n'ai pas pris part à leurs agissements, mais j'ai néanmoins le cœur lourd. Merci. Un message d'Isidora. Mère, j'ai le cœur brisé. J'ai beau savoir que tu es désormais aux côtés d'Amon. Ta mort est comme une lame plantée dans mon flanc. Repose paisiblement dans le champ de roseaux, maman, en sachant que je poursuivrai ton œuvre. La mère d'Isidora est assise à la droite d'Amon. C'est son épouse royale. Les pilleurs de tombes ont tué Nitocris quand elle a essayé de les arrêter. Isidora a dû enterrer sa mère. L'orbe et l'héritage de sa mère lui sont revenus. Elle a juré de la venger, mais elle n'en a jamais eu les moyens. Jusqu'à aujourd'hui. Des années plus tard, Merti a cherché à racheter les méfaits commis par d'autres. Voilà la vraie source de la malédiction. Une fille qui a perdu sa mère et qui implore vengeance auprès des dieux. Regarde ça. Et dis-moi ce que tu vois. Je te vois. À l'endroit exact où je t'avais laissé. À examiner de vieux papyrus et à perdre au dé l'argent que tu n'as pas encore gagné. Le savoir n'est pas une source de sagesse, Bayek. Tu as sûrement entendu parler de Ramsès II, le grand pharaon, père d'une centaine d'enfants. Hein? C'est lui, le pharaon parmi nous. Comment le sais-tu? Ce papyrus en parle. Mais c'est étrange, car cet objet a plus de 1000 ans. Un grand roi à l'âme fragmentée. Ça ne dit pas ce qu'il fait ici. Veut-il se venger ou accomplir une tâche inachevée? Peu importe ses raisons. Attends, Bayek. Je n'ai pas envie que tu te fasses tuer. Au nom du pharaon. L'ombre du pharaon. Un rite ancien. Tout est là. C'est fascinant. S'il est semblable aux autres, je sais ce qu'il faut faire. Je vais avoir besoin du parchemin. Bien sûr. Mais qu'en est-il de ma commission, Bayek? Tu pourrais décider de me le donner par bonté d'âme. À moins que tu l'aies déjà perdu sur un mauvais jet de dés, hein? Prends-le, c'est de bon cœur. Ah. Que Ré te protège, Bayek. Libre du pharaon. Son shoot. Son reine. Voilà comment je vais apaiser le grand Ramsès. Alors... alors, trouver assassiner Isidora. On verra.
ça, on va le faire en dernier. On va aller assassiner Isidora. Il va aller tout là-bas. C'est moi ou ce mec là, il a rien à foutre là. Non, voilà. Thank you.
Oh. Nul ne peut résister à la relique. Isidora ne peut pas croire que c'est la volonté des dieux. J'adore ce mode. Oula. Bah bien sûr. Quelle bonne idée. Yeah. Thank you.
grande prêtresse a invoqué l'armée d'Anubis pour qu'elle la protège. Rien. Et mieux vaut rester prudent. Tout ce que je vois. Il faut que je la trouve. Voilà, on va se débarrasser de lui. Donc c'était pas la grande prêtresse. Où est-ce qu'elle est ? La caméra. Soit ses motivations, je les comprendrai en ouvrant cette porte. Verrouillé. Ah mince. Quelles que soient ses motivations. C'est pas une fenêtre. Je les comprendrai en ouvrant. Oui, cette oui, porte. On a compris. Ah si, là-haut. Elle est l'épouse du caché. Elle doit bien savoir garder ses secrets. Elle essaie de terminer ce que sa mère a commencé. Il y a un message. Comme il a... Un tombeau caché dans la vallée des rois. Les voleurs ne l'ont jamais trouvé. Après le règne d'Akhenaton, son fils, Toutankhamon, a restauré les temples d'Amon. Il a remis l'orbe aux prêtres. Sur le rite de Maat, écrit par Nitocris, l'épouse divine d'Amon. Elle serait la mère d'Isidora. Elle a toujours détenu la relique. Thank you.
Sa quête insensée d'équilibre et de vérité pourrait faire d'innombrables victimes. C'est contraire à la volonté de sa mère. Elle essaie d'achever ce que sa mère a commencé. Un rite destiné à rétablir Maat dans le tombeau caché de ce pharaon tombé dans l'oubli. Jamais on me voit ici. Donc elle avait l'orbe depuis le début. Mais que... C'est ça, crève. Hé, hey, sur lui. Je vais appeler les renforts. Je vais appeler les renforts. Je vais te tuer. Oh non, t'appelleras personne. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je vais t'étriper. Hey, wow. Wow. Je sais ce que représente la perte d'un proche. Mais cet orbe corrompt tout ce qu'il touche. Irnif Di-In. Irnif Di-In. Tu me suis désormais comme l'une de tes proies? Bayek. Donne-moi l'orbe. Je n'ai aucune envie de te tuer. Donne-moi la boule. Ma mère m'a dit que c'était notre rôle. Rétablir Maat et remettre Amon sur son trône. Telle est ma vocation. C'est pour ça que j'ai dû me cacher alors qu'il lui tranchait la gorge. Pour que j'aie la force d'accomplir la volonté d'Amon. Ah, ce n'est pas de la force. C'est de la sauvagerie. Irnif Di-In. Thank you.
ça doit cesser, Isidora. Tu as trahi Amon, ton peuple et ton devoir. Je ne trahirai pas le mien. Aïe aïe, oh putain, la barre de vie qui m'enlève. Voilà. Bon, les techniques de la triche, hein. Pas dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh.
Son père, Akhenaton, lui a transmis l'orbe. Dans sa volonté de rétablir l'équilibre, Tutankhamon l'a remis au prêtre d'Amon. Mais par soif de vengeance, Isidora a perverti le rite. Elle a trahi ses propres dieux. Oh, on a une nouvelle lance. On a l'épée. Sans nuance. La fin d'attente. Sentimentation. On va prendre la lance. Voilà. Oh, elle est pas mal. Alors, quittez la droite. Accorde-moi de rejoindre le ciel éternel et la montagne. C'est où je passe. Et où le bidule? Ah, faut monter. Pardon, madame. Ici, dans la tombe d'Apep le constricteur. Voilà. La mort est sur toi. Pardon. Ah mais prends-le, voilà.
prononces-tu nos noms pour rien? Tu nous méprises en refusant de baisser la tête. Accomplis-tu les rites sacrés? As-tu hurlé ou tué? Amon t'a choisi. Cela n'a aucun sens. Ce droit me revenait. C'était ma vengeance. Pourquoi m'a-t-il entendu? Pourquoi m'a-t-il donné le pouvoir d'achever ce qu'elle avait entamé? Si c'était pour me faire échouer. Amon ne t'a donné aucun pouvoir. Il t'a offert un choix. La plume de Maat. Non. Mon cœur est trop lourd. Tu crois qu'Amon me protégera? S'il nous est facile de faire le mal, il est facile à Amon d'accorder sa clémence. Sa colère ne dure qu'un instant. Son souffle apporte la miséricorde. Puisse le cachet marcher à tes côtés. Le seigneur de la douate attend. Dépose-moi! Dépose-moi! Je crois que je peux me débrouiller seul. Tu crois? J'ai cru que je n'avais plus personne en ce monde. Mais je suis un descendant de l'illustre Ramsès, et ma famille est plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Un prix bien modeste. Merci, Neb. Qu'est-ce que tu vas faire de cette horreur? Par la lumière de Ré, je n'en veux pas. Raison de plus pour te la donner. Tu sais mieux que quiconque de quoi elle est capable. Enterre-la. Et que le monde l'oublie. D'accord. Mais pas ici. Cette vallée n'a plus aucun secret pour personne. Elle devra pourtant en garder un dernier. Tu rétablis Maat et tu t'en vas. Si c'est ce que tu souhaites, je ne parlerai de toi à personne. Hé, Bayek. Nous nous reverrons dans les champs de roseaux. Compte sur moi. Tout va bien. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est temps d'en finir. Quand je serai prêt. Ça y est, on a fait tout ça pour refiler la boule au requin. Merde, il est parti. Alors...
Alors, préparer de la fête, récupérer. On va faire ça. Donc j'ai 3 points. Ouais, bon. Alors, oula, 2 km, c'est trop loin. Bonjour. Désolé, mais là, c'est trop beau. En protection! Mais il est con, celui-là, ou pas? Tu vas saigner. En protection! Attention, j'ai ma nouvelle lance. Faites pas les malins. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Allez, amène-toi, pas beau. Ouais, ça c'est de la triche. Voilà. Ah, c'est ça, monte sur un cheval, ce sera plus facile de te battre. Voilà. Alors, j'ai il meurt. Lui aussi. Ah,
soldats creusent ici. Il faut que je trouve les champs avant eux. La bouche carte est magnifique. Voilà. C'est tout. Voilà. On va aller faire le roi des rois. Ah, il faut que je termine l'angle du phare. Trouver et vaincre l'ombre de Ramsès. Dans le tombeau de Ramsès, peut-être. Ben oui. Il demande un niveau 50. Ça peut chercher. Je vais aller augmenter mes armes d'abord. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, on va vendre. Ouais. Mmh.
pendu. Très bien. Vendu. Très bien. Ouais. Vendu. Ouais. Très bien. Ouais. Vendu. Très bien. Ouais. Voilà. Alors, améliorer. J'ai mon éventreuse. Voilà. C'est toujours un plaisir. Oui, mon cheval. Attendez, la malédiction du pharaon se concentre sur la ville de Thèbes. Il faudrait que j'aille à Thèbes. On va aller voir à Thèbes. Oh!
Où est-ce qu'il pourrait être? Par là peut-être? Nul n'échappera à la colère du pharaon. Les orgueilleux. Wow. Excusez-moi, je cherche Ramsès. Vous l'auriez pas vu? Ouais, je pense que j'aurais dû rester sur ma première idée. Thank you.
tombeau sans marque avec le même cartouche des hymnes et des chants. Des bandits se sont installés ici. S'il restait quelque chose, ils l'ont sûrement pris. Es-tu orgueilleux, arrogant? Tu oses mentir dans la maison d'Anubis? As-tu l'impudence de te prendre pour un juge? Tu décides du sort des autres, alors que tu n'es rien? Ah non, la porte est là, j'ai vu. Bon, ben, je viens de voir la solution, c'est pas du tout ça. On ressort. Faut trouver le nombre du pharaon. On s'écarte! Allez! Tu peux me dire à quoi tu joues? Mmh.
ce qu'on va faire. On va aller affronter les deux là. Allez, il y a 500 mètres. Quatre points. Hop. Hop. Voilà. Ah putain. Cheval ? Cheval ! Ah, une ombre est apparue. Oulé, oulé, oulé. Voilà. Chier ces Romains là. Lena, monte sur le cheval. Allez. Bon.
On va le faire celle-là. Hein. Vous avez quelque chose ? Jusqu'ici, rien. À bord de secours. Je te vois. Thank you.
Bon, ben voilà. On va aller faire une quête secondaire en attendant que ça apparaisse. Pardon, je fais que passer. Thank you.
Bon, on va passer par derrière. L'oppression est-elle l'héritage de l'Égypte ? Ça fait bien d'être prudent par ici. C'est fait. On récupère ça. Tu ne pilleras plus le passé de l'Égypte. Hein, mais que... Je peux la voir. Ah, l'ombre d'un pharaon est apparu. Oh, il est là. Je vais faire ça. Voilà.
bouge pas, ne bouge pas. Magnifique. Vite, 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 avant qu'il se barre. Si ça bouge pas. Encore un coup. Yeah. C'est bon. Allez, on se casse. Parmi les dieux, Ramsès. Le temple de Ramsès. Bâti pour faire perdurer sa mémoire. Vais-je y trouver le secret de son tombeau? Apporter les reliques au tombeau de Ramsès. Okay. Non. Que vais-je trouver dans le tombeau du pharaon? D'autres profanations? Suivre maintenant. Bayek de Siwa, tu es venu. Vas-tu aider mon époux Ramsès à trouver la paix qu'il mérite?
Es-tu orgueilleux, arrogant? Tu oses mentir dans la maison d'Anubis? As-tu l'impudence de te prendre pour un juge? Tu décides du sort des autres, alors que tu n'es rien? Ramsès le Grand est ton mari. De son vivant, j'étais sa favorite adorée, la reine préférée d'un grand homme. Pourquoi est-ce qu'il arpente les terres noires? Il a eu une vie glorieuse. Il a vaincu nos ennemis, nous a apporté la prospérité. Mais son cas ne trouve pas le repos. Jadis, les Medjay servaient sans faille les pharaons. Je ne suis plus un Medjay. Mais tu as appris à te sacrifier pour une cause qui te dépasse. Ramsès a fait plus que quiconque pour l'Égypte. Ne mérite-t-il pas le sommeil éternel? Que veux-tu que je fasse? Je vais te murmurer le rite à l'oreille. Oh, c'est ça, 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 c'